Vas-y, tue Mikalo et je dirais pas que c'est toi. C'est pas moi, gros. Vas-y, c'est moi, je vais rire de base, c'est bon. Excusez-moi, le best-of va commencer dans quelques instants, mais juste avant, on va pas se retaper un exposé de Mathias, mais le professeur de Mathias aimerait nous raconter quelque chose. Bonjour à tous mes élèves adorés. Aujourd'hui nous allons parler de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez pas fait l'appel, monsieur. Oui, et je m'en fous. Bref, en ce qui me concerne, je vais vous raconter mon expérience durant cette terrible guerre. C'est impossible, vous êtes vieux, mais pas à ce point-là. Qui vote pour virer Thibaut de la classe? Moi. Comme je le disais donc, durant cette guerre, j'ai surtout appris à me servir de l'équipement authentique de l'époque, entre-temps devenu célèbre, et je dirigeais moi-même les missions. Je conduisais ce genre de char très populaire qui possédait des canons de niche avec une très haute précision. Ouais, trop fort le prof. Les cartes étaient complètement immersives. Conçues sur un terrain réel avec des champs de bataille et des villes connues, on pouvait revivre chaque bataille classique de l'histoire en tant que commandant en mode PVE. Preuve ou fake? Ça tombe bien, j'ai tout filmé. On peut me voir ici en tant que commandant durant la bataille de Normandie. J'avais mis au point une tactique exceptionnelle ce jour-là. Mais attendez, vous faites un placement de produit là, la dernière fois vous m'aviez en... Grâce à avoir passé son système RTS, j'ai pu augmenter ma stratégie et gagner cette bataille, comme vous pouvez le constater ici. Si je télécharge le jeu via votre lien, vous augmentez ma moyenne générale? Absolument pas. Mais télécharge-le ou tu prends 2 heures de colle. Je suis actuellement en train d'y jouer, monsieur. Vois, les graphismes sont vraiment exceptionnels. Très bien, Eliana. Les autres, n'oubliez pas de télécharger le jeu avec mon lien. Ça vous apportera des bonus. Pas pour moi, je suppose. En effet, Thibaut. Ok, je vais être le meilleur crewmate de la Terre. Oh, regarde, ici, rien que là, je fais pas de danse, pas de danse, pas de danse. Voilà. J'ai envie d'aller là. Allez. Peut-être pas tout seul. Peut-être pas tout seul, c'est le mauvais bail. Ok, donc violet, rouge, noir. Violet, rouge, noir. JDG, lock, rouge, Squeezie, JDG, lock, clear, labo. J'attends que quelqu'un vienne sur le scanner pour mine en santé, en vrai. JDG, Ok, JDG, c'est comment là ce que tu viens de faire à gauche là? De quoi? Je crois qu'il a pas mis ses lunettes, il a pas vu que j'étais à droite. Du coup, il vient de trancher Locklear devant moi. Ouais, d'accord, on s'est vu, on est parti, je suis parti faire si les. Si, parti spécimen. Mon Lock, il vient près de mon micro, il fait. Toi, t'es un poster, sale chien. Alors que je suis encore en vocal moi. Non, mais si vous voulez, genre. Moi, je suis Henri aussi, mais c'est ça. Non, mais en fait, on tue les deux, les gars. On tue les deux, on tue l'un des deux et après on tue l'autre. C'est ça, mais moi, je vous dis, y'a pas besoin de tuer les deux. Y'a pas besoin de tuer les deux parce que en fait, si Henri avait reporté que c'était le killer, JDG serait en train de sortir du labo, tu vois. Mais parce que moi, mais attendez, moi les gars, j'ai pas vu de meurtre moi en fait. Mais normal, moi, c'est toi qui l'as tué. Lock, viens jouer à ma place, je sais pas jouer, viens jouer imposteur. Je reste en vocal mais joue imposteur. Montre-moi comment on joue imposteur parce que je suis le pire à chaque fois. Bah écoute, je pense que c'est il a glissé en fait, il a éternué et il a tué. Il a tué Lock. Attends, boum. Oh merde. Non, en fait, j'ai pas vu que les lumières étaient revenues. J'ai pas vu du tout que les lumières étaient revenues. C'est un moyen de débrayer. J'ai l'impression mec. Il reste que nous. JDG, il a sauté mon frérot. Bref, je vais refaire mes tasks storage parce qu'il me reste encore à faire. Oh Squeezie, oh, il a envie de tuer lui. Je viens de voir un assassin passer. Donc là je fais O2, d'accord, ça c'est les bouteilles. Ok. Je suis avec Gota, Squeezie, et c'est qui la dernière personne? Il fait quoi Lucas? 3 mecs O2, il va y avoir un kill bas gauche là. Oh non, c'est Squeezie. Oh! C'est tueur, moi je ferai un kill bas gauche là et j'irai réparer les lights pour être safe. Mais est-ce qu'en venant ici je vais pas me faire incriminer? Oh, je suis mort. Et c'est moi qui dois le justifier. Je vois 3 personnes O2. Les lights se cut. Je dis exactement mot pour mot. C'est sûr, va y avoir un kill à l'O2. Si j'étais tueur, je tuerais à l'O2. J'arrive à l'O2, les lumières se rallument. Je vois Mika qui arrive et je vois le corps vert de Gota. Okay, et du coup, il y avait trois mecs à l'arbre. Et je veux les 3 noms. Il y avait moi. Il y avait Jill, je crois. Hein? Non, Magla, pardon. Magla, il y avait Magla, il y avait moi, Magla. Alors, et c'était qui le troisième? En gros, on était tous à l'arbre. Les lumières s'éteignent. Enfin, tous les 3, ouais. On était à l'arbre. Enfin, à l'O2, à l'O2. O2, c'est arbre, c'est ça? O2, c'est arbre. Il était encore à l'O2, mec. T'es parti tout seul avec Gota. J'étais O2, les lumières s'éteignent, je me dirige vers l'électricité. Il y a un meurtre, le corps découvert, et on m'accuse. C'est inadmissible. Ça se voit, ils ont tout déplacé. L'arbre, c'est là où j'ai fait le kill. Il était super risqué, le kill sur Coco, là. Mais c'est Locklear qui joue à ma place, les gars. Ah, il jouait à ma place et du coup moi je devais me défendre d'un comportement qui n'est pas le mien, c'est super dur les gars. Lock, je sens une tension dans la pièce d'un coup monter. Est-ce que c'est lié à ton rôle ou est-ce que... Un peu lié à mon rôle, ouais.
Mais c'est terrible, mec, on est en train de ruiner le jeu. Ok, JDG est avec moi, JDG est avec moi, JDG n'est plus avec moi, il va vers la boue. Je mettrai une pièce sur Locklear, je sais pas pourquoi. Parce que là, il était pas sur le truc pour faire la quête. Locklear, Squeezie, JDG, Gotha. Locklear, Squeezie, JDG, Gotha. Je crois que Squeezie, en plus, mes skills, là, il est en train d'attendre les 50 secondes pour sa mission. Et alors, je fais quoi là? You don't need to wait, je fais quoi là? Go grab a coffee, mais c'est plus d'une minute! C'est dangereusement long! Du coup, ça l'innocente potentiellement pour moi. En vrai, j'ai peur de saboter. Ok. Logby, Log vient de la gauche, mais Log ne fait pas le réacteur. Je te dis, Logby, tu me couvres? Vas-y, je te couvre. Vas-y, je l'ai tué. Tue-moi et tout le monde le. Putain. Moi j'ai juste une question à Locke, ça te dérange de faire le réacteur ou... Je suis allé au réacteur. T'as été super rapide non, pour frérot, certaines frérot. Tasks, non Magla, sur le réacteur. Le missile, tu sais que quand tu spam clic de ouf, ça va vite. Tu savais ça? Ok, ouais. Messieurs, dames, puis-je avoir un temps de parole de 10 secondes? J'aimerais me rattraper de la précédente partie dans laquelle j'ai pénalisé... tous mes crewmates, tous mes fiers crewmates, mes cracks. J'étais tranquillement en train de stream lorsque mon camarade à ma gauche a crié « Je le tue, tu me couvres !» Et en retournant au réacteur, Dwagby était mort, donc votez tous le clear. Je ne laisserai aucune corruption pénétrer entre nous. Mais comment ça? T'as pas le droit de faire ça. Mais non, mais quel enfer. Je ne rentrerai pas dans son petit jeu. Je vais jamais y arriver, c'est pas possible. Tu pourras pas me corrompre. Oh merde, j'ai pas vu, pardon. Ça c'est Locklear qui a tapé Squeezie, ça. Heureusement, après ça va, moi je suis content parce que c'est le mec que j'avais soupçonné, du coup j'ai eu bon. Non, please, aime-tu devant tout le monde, please. On était comms avec moi, Mika, Gotha est rentré et Squeezie est rentré. On était toujours comms, moi, Mika, Squeezie sort avec Gotha, Gotha meurt, du coup je... Ouais, y avait Henri en bas, et au truc juste au-dessus là, donc c'est comms je crois, y avait Mika et je sais pas qui, j'ai oublié, c'est Gotha je crois d'ailleurs. Ensuite je suis descendu en bas à gauche faire la task, et d'un coup, que se passe-t-il? Quelqu'un repère un cadavre, et il s'agit du camarade qui était à comms. Henri, je suis juste descendu et je l'ai vu astéroïde. Je suis rentré dans les comms, je t'explique ce que j'ai fait. Et Jill, tu faisais quoi toi? Du coup, merci, parce que c'est moi qui reporte, hein. Vous ne pouvez pas me laisser parler depuis tout à l'heure. Bah ça a l'air de t'arranger ma petite dame. Ça a l'air de bien t'arranger, t'as l'air bien contente qu'on monopolise la parole. Bah non mon pote, parce que moi j'ai fait littéralement storage. Là j'étais storage, je redescends pour communication, et ben je vois juste Gotha, donc à vous de voir. Et je crois que bah... Tu le vois seul et tu le tues? Je vois le corps de Gotha, donc je reporte. Bon, on est dans la merde. Bien joué. Ah, il dit qu'il part direct. Oula. Faire cette mission en premier, là. Oula, c'est peu commun, ça. Elle a pas fait la clé. Bon, deal, je suspecte. Voilà, je vous dis les termes. Je vais lui montrer. Yes. Magla, qu'est-ce que tu fais, Magla? Magla, elle va me tuer. On va voir s'il prend direct ou s'il me tue sur le scanner. Magla, je sens qu'elle va me... Ah non. Non, waiting for Magla. Magla est safe. Magla, 100% safe, du coup. Et Locke, on va en amoureux. Quelqu'un peut nous voir, s'il vous plaît, partir avec Locke, ensemble? Hein? Oh non. Je pars, je reviens. Report? Non. Je pars, je reviens. Hop, report? Je pars, je reviens. Hop, report. Tu m'as l'air très silencieux. Ah bon? Et toi, tu l'es pas, toi, silencieux? Ouais, j'en ai eu assez. J'ai cru que j'étais quelqu'un qui pourrait me couvrir. Ok, donc je suis avec Squeezie, je peux le vouch. Kameto qui faisait le labyrinthe, Dwagby ici. Donc rouge-orange. J'espère que quelqu'un a pré-shoté là et si j'avais la flemme de le faire cette game-ci. Non, personne l'a fait. Let's go! Camel, ça dégage! Coup de slash! Ok, Dwight qui est pas mort, c'est déjà ça. C'est une honte! Chastremont! Gotaga, t'es parti où après ce pistolet? T'étais quand même à côté de nous? J'ai suivi au ralenti parce que je pensais que c'était toi et j'attends que tu tues le clear. Donc je croyais vraiment que j'allais le faire alors que t'étais à côté si j'étais... Bah, je sais pas là, actuellement... Oh genre, respecte-moi un minimum quand même Si JDG, tu safe Magla, c'est ça? Ouais, complètement. Donc il reste Squeezie, Dwag. Mais moi non, en gros, j'étais seul tout... Non, ça m'énerve gros, laisse-moi faire des games où je suis seul. Mais moi je suis chaud pour Dwagby.
Au revoir, Dogby. C'est quoi, je vais te suivre et je vais te prouver mon innocence, Locke. Regarde, je vais faire aux deux, je vais te prouver mon innocence. Vas-y, tue Mikalo et je dirai pas que c'est toi. C'est pas moi, gros. Vas-y, c'est moi, je vais reporter, c'est bon. Ok. Ok, il est où le cadavre? Il est à la sortie de com et il y avait Gotha qui passait à côté quand je t'ai croisé. Bah, ça veut dire c'est effectivement Gotha ou Squeezie. Non, les gars, je suis allé en bas à gauche au 2 direct. Locke, il peut témoigner, il m'a vu partir en bas à gauche au 2. C'est Gotha. Non, calmez-vous, avant de voter, calmez-vous s'il vous plaît, calmez-vous. Je suis dans Weapon, je viens de finir ma mission, les stories. C'est faux, je t'ai vu sortir, tu es remonté. Ok, non, c'est bon, j'ai voté Gotha. Attends, lui faites pas confiance. Non, Locke, s'il te plaît. Allez, normalement là, c'est endgame. Elle a tué Kamel et ensuite. Si c'est pas fini, c'est aussi une possibilité que ça soit Jill et Locker qui bossent ensemble depuis le début. Vas-y, but JDG là, qu'on l'entendra déjà un peu là. T'es où? Je suis au 2. Vas-y, JDG, il allait venir, il a rebroussé chemin, frérot. Ça voudrait dire, alors attends, parce que moi j'ai rien vu de tout ça en fait. Ça voudrait dire que ça serait. Je vais aller buzzer. Je pense que c'est Jill en vrai. Parce qu'elle est ultra agressive sur cette game, je trouve ça vachement bizarre. Je pense que là, elle a tué Kamel, ensuite elle nous a rejoint. Elle était en cooldown, et du coup c'est pour ça qu'elle faisait rien, elle faisait aucune mission, etc. Elle faisait aucune mission en étant en bas. Attendez, mais les gars, on est en train de me dire que c'était pas Gotha? Attendez, est-ce que, genre, peut-être que Dwagby c'était pas l'un des imposteurs, et que c'était Gotha et Squeezie? La GG qui arrive, t'es prêt? Pas ici, je pourrais pas te défendre. Ok, je vais aller buzzer. Juste, est-ce que ça aurait pas pu être Gotha et Squeezie? Alors, la question, c'est plutôt au premier tour. Est-ce que Locklear, tu peux confirmer que Jill... J'étais tout le temps avec Locklear et Gotha. Ouais, mais. Ouais, mais. Elle est vicieuse. Moi, là, Locke peut m'innocenter à 400%, les amis, pour tout à l'heure. Donc, ça tient pas. Locke peut m'innocenter à 20 000%. Je te laisse pas parler, je vote. Je suis le call de mon ami mort au combat. Il t'a vu aller au 2, mais il y a eu qu'un kill. Je l'ai vu tuer Mikalo devant mes yeux. Il n'y a eu qu'un seul kill. Est-ce qu'on est sûr que c'était des Dwagby, l'imposteur ou pas? J'en sais rien, parce qu'on avait des doutes sur Dwagby et Squeezie, d'accord? T'as dit quoi? T'as dit ils ont tué Mikalo devant mes yeux, ils ont rien dit? J'ai vu Squeezie tuer Mikalo devant mes yeux! Mais les gars, vous croyez vraiment que quand je les balance. Arrêtez de vous faire brain! Vous croyez vraiment qu'après que je les balance, lui il va pas me balance? Vous le connaissez mal! Il m'a tué 7 games de suite au loup-garou, ce chien!